Psst, t'aimes bien les Stormtroopers? Et puis t'aimes bien George Lucas? Et ben tu sais quoi, on va faire deux en un. George Lucas déguisé en Stormtrooper. Alors la figurine, c'est du Hasbro Star Wars Black Series. Et finalement, cette figurine, c'est quoi? C'est un concept de génie ou alors une fausse bonne idée? Ben je vais expliquer ce que j'en pense. Donc là, on a une figurine articulé, c'est correct. On a un vrai Stormtrooper à l'ancienne. Vraiment, là, il y a aucune fausse note. Hein. D'ailleurs, le petit plastron bouge même un petit peu. Enfin, ça permet de pouvoir avoir des mouvements un petit peu plus amples. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, je regrette les articulations du coude. Là, il est au max. Donc, voilà, on est quand même limité assez. Les genoux, c'est pareil. Hein. On ne peut pas plier plus le genou que ça. Après, dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt correct. Thank you, bro. La tête de George Lucas, franchement, elle est très très belle. Là, j'aime beaucoup le côté grisonnant, mais on voit que le dessous est noir. Voilà, ça lui ressemble vraiment. C'est une bonne figurine de George Lucas. Yes, je suis plutôt beau gosse. Ouais, totalement. Alors justement, le beau gosse, on peut lui changer sa tête et lui mettre une tête complète de Stormtroopers. Mais alors, première surprise, c'est que c'est pas... on change pas la tête, on met le casque sur la tête. Alors, il y a un côté positif, c'est que du coup, ce casque, on peut l'utiliser sur d'autres figurines. Ça, c'est très très cool. Par contre, ça passe pas trop. Voilà, ça passe un peu, mais faut forcer. Et on voit toujours un petit peu de barbe. Pourquoi? Parce que si on met pas la tête un minimum de travers, j'ai peur que la tête, en fait, avec le menton, ça se coince dans le casque et j'ai peur de ne plus pouvoir l'enlever. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu peur. Ce qui fait que quand on met le casque, ça donne ça de face, ça marche. Mais là, voilà, on peut voir des petits poils qui passent. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste un détail, ça reste acceptable. Niveau accessoires supplémentaires, on a seulement l'arme du Stormtrooper. Ça fonctionne, hein, ça fait le job. Donc cette figurine, moi je l'aime bien. C'est la première fois que j'ai un Stormtrooper, j'en avais pas. Donc évidemment, je suis super content parce que ça donne des possibilités géniales pour faire des photos. Maintenant, ce que je regrette, c'est que finalement cette tête, elle ne s'en aille pas parce que j'aurais bien aimé aussi pouvoir le mettre sur un autre corps pour par exemple faire des moments où George Lucas serait habillé en costume ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais quand même aimé que ce soit une vraie tête qui change et pouvoir la clipser, la déclipser plus facilement. Si on la compare à du Dark Vador, ça marche, hein. Évidemment, c'est la même série, c'est la même échelle, ça fonctionne vraiment très bien. Cette figurine, moi je trouve que c'est cool, c'est presque une fausse bonne idée parce que malgré tout ça reste bizarre de voir George Lucas habillé en Stormtrooper, mais en même temps ce petit côté un petit peu inattendu, j'aime bien, alors je valide. Oh yeah!